camarades, chefs d'état-major, chers invités, messieurs les ambassadeurs, camarades, notre peuple, en communion intime avec une armée qui a su s'accorder à ses profondes aspirations, qui a su épouser ses nobles ambitions d'indépendance, de dignité nationale et de justice sociale, célèbre aujourd'hui le 5e anniversaire de la fête de notre armée nationale populaire, démocratique et révolutionnaire. Mon salut va aux délégations d'officiers des pays amis qui ont accepté de répondre à l'invitation de leurs frères d'armes. Au nom du Comité national de défense de la Révolution et en mon nom personnel, je leur dis qu'ils soient les bienvenus au Mali, dont le peuple, aujourd'hui plus que jamais, aspire de toute son âme et de toutes ses forces à la réalisation de l'unité africaine, sans laquelle il faut s'en convaincre, il n'y aura pas pour notre continent de promotion économique et sociable viable. Nous croyons que de telles occasions de se rencontrer aident puissamment à former les fondations de cette nécessaire unité africaine. Et nous formulons le vœu sincère de voir qu'elle se multiplie sous forme d'échanges sur le plan culturel, sportif, et nous pensons que face à l'offensive néo-impérialiste contre l'indépendance de nos peuples, l'organisation de manœuvres communes entre des armées nationales africaines doit rentrer dans l'ordre de nos préoccupations. Camarades, chefs d'état-major, le bilan que vous venez de présenter à la nation malienne vient de reconfirmer avec l'éloquence des faits et des chiffres que nous ne nous sommes pas trompés lorsqu'il y a 7 ans, le 20 janvier 1961, persuadé de traduire la volonté de notre peuple, unanimement mobilisé autour des idéaux de notre parti, l'Union soudanaise RDA, nous avons demandé l'évacuation des troupes étrangères de notre territoire national. Pour apprécier la valeur de cet acte, il faut alors se replacer dans les conditions de l'époque. Un État dont les rouages étaient à peine constitués et qui devait faire face aux complexes problèmes politiques et économiques d'un territoire national qui s'étend sur une superficie de plus de 1 200 000 km². D'aucuns, nos ennemis de toujours, ont parlé d'aventure, de saut dans l'inconnu, mais comme toujours, ces timorés de l'esprit ont eu tort. Comme toujours, les événements ont encore une fois apporté la preuve qu'on ne se trompe jamais lorsqu'on fonde sa foi sur l'honneur et la dignité du peuple malien. Les soldats maliens et agents de la sécurité, officiers, sous-officiers, caporaux et hommes de troupes ont répondu à l'appel de la nation. Ils ont répondu à la confiance que le peuple malien a placée en eux et depuis ils ont avec honneur rempli toutes les missions, toutes les tâches que la nation malienne leur a confiées. Notre armée et nos forces de sécurité ont rivalisé avec tous les autres détachements de notre peuple, attelés depuis 8 ans à consolider sa souveraineté nationale, à construire dans la justice sociale une nouvelle démocratie exclusivement au service de notre peuple, laborieux et héroïque. Dans cette compétition où tous les enfants du Mali, chacun dans sa spécialité, rivalisent d'ardeur, d'ingéniosité, de dévouement et d'initiative créatrice, j'atteste avec force que notre armée et nos forces de sécurité ont su se forger une place de choix.
parce que les chefs de notre armée et de nos forces de sécurité ont su très rapidement se lier avec notre parti, l'Union Soudanaise RDA, l'expression authentique de notre peuple dans son combat pour la liberté et le bonheur. Ils ont réalisé ce miracle, cette œuvre de titans, transformés des hommes, venus des légions coloniales, en soldats d'une armée nationale populaire, démocratique et révolutionnaire, qui ont fait de l'unité de l'armée avec son peuple une réalité vivante. C'est cela qui explique la physionomie nouvelle que présente aujourd'hui aux yeux de tous les observateurs l'armée malienne et les forces de sécurité qui ne posent aucun problème, ni à leur parti, ni à leur gouvernement, et qui, de jour en jour, sont en passe de devenir l'instrument le plus puissant de la lutte de notre peuple pour vaincre les servitudes contraignantes et avilissantes du sous-développement. Mais en ce tournant décisif de notre révolution, notre armée et nos forces de sécurité ne se sont pas seulement contentés de construire des ponts, d'opposer la force organisée de leurs puissants moyens techniques aux flots impétueux du Niger. Elles ont également pris parti. Lorsque la question s'est posée de savoir qui doit l'emporter entre les forces de la révolution et celles de la contre-révolution. En effet, fidèles aux enseignements de notre parti, elles sont rentrées dans la liste et à côté des forces saines et d'avant-garde de ce pays, elles ont dit non à la démission, oui à la dignité, oui à l'indépendance, oui à la continuation de notre lutte pour l'édification de la société socialiste. Voilà, camarades chefs d'état-major, le plus grand, le plus méritoire des actes accomplis par notre armée et nos forces de sécurité au cours de cette année que nous sommes toujours tous aujourd'hui convenus d'appeler l'an 2 de notre révolution. Certes, si l'ensemble de notre armée et de nos forces de sécurité ont su faire une option si juste, tout le mérite en revient au parti qui, dès le départ, a jeté par-dessus bord les principes d'organisation des armées dites classiques en refusant de verser dans le militarisme pur. Le parti, vous le constatez aujourd'hui, a eu raison de vous indiquer la direction du peuple, seul détenteur des vertus les plus nobles, seul capable de procurer à ceux qui le servent les satisfactions morales les plus valables. Je renouvelle donc, au nom de toute la nation, notre confiance en notre armée nationale, populaire, démocratique, révolutionnaire et à nos forces de sécurité. J'adresse au cadre de l'armée et des forces de sécurité les félicitations de la direction nationale du parti pour avoir donné à la formation idéologique la primauté en donnant à leurs unités une conscience de classe, en rapport avec les problèmes de notre jeune nation en formation dans un monde difficile et tourmenté. Comme l'année dernière, je ne cesserai jamais de vous exhorter à pousser plus avant encore votre formation idéologique, à rejeter les enseignements de tous ceux qui essaieraient d'opposer politique et militaire, politique et technique, en vous convainquant de cette vérité première que la politique constitue la base de tout ce qui se fait dans la société. C'est à cette condition seulement que vous pousserez plus avant les positions privilégiées que vous avez déjà conquises parmi les forces d'avant-garde de notre pays. Non seulement notre armée et nos forces de sécurité continueront à jouer le rôle honorable de gardien de l'indépendance territoriale de notre nation
et des acquis économiques et sociaux de notre révolution, mais elles pourront toujours jouer un rôle décisif dans l'édification économique de notre pays. Pour cela, il faut que notre armée et nos forces de sécurité aient les meilleures fermes, les meilleurs champs d'arachide, de mil et de coton, sans parler du rôle non moins enviable que nos soldats peuvent jouer dans le domaine si essentiel de l'alphabétisation de nos masses rurales. Mais pour toutes ces tâches, il est essentiel que l'ensemble de notre armée et de nos forces de sécurité, officiers, sous-officiers, caporaux et hommes de troupes, n'oublient jamais que ce qui fait la force, ce qui fait la grandeur et la servitude du noble métier des armes, c'est la discipline. La discipline consciente, la discipline librement consentie, et cela à tous les niveaux de la hiérarchie. Camarades, chefs d'état-major de l'armée, chers camarades, la route est longue et dure, qui va de l'esclavage colonial à la société socialiste pour laquelle l'ensemble de notre peuple a opté le 22 septembre 1960. Mais à travers les vicissitudes et les aléas d'un combat toujours difficile, au-delà des incertitudes qui accompagnent forcément l'action humaine, toujours limitée dans l'appréhension globale des problèmes si complexes et si tragiques de cette seconde moitié du XXe siècle, où l'homme se trouve confronté avec l'apocalypse nucléaire, il semble que ce qui compte le plus, c'est la conviction de l'homme d'action dans la justice de la cause pour laquelle il se bat. Or, le peuple malien est pénétré de la conviction qu'il a raison d'opter pour la liberté contre l'esclavage, qu'il a raison de joindre ses forces morales et physiques à celles de tous les peuples qui ont décidé de construire une société plus juste, plus humaine, conforme aux ambitions de toutes les religions. Nous réussirons, j'en suis persuadé, à condition que, comme le disait dernièrement un jeune Malien dans une lettre pathétique, nous sachions, je cite, persévérer dans la respiration, sentir l'air pur brûler nos lèvres, afin que jamais ne meurent nos vérités, que jamais n'expirent nos enthousiasmes, pour que frémisse dans les jeunes consciences de la nation cette sorte d'épanouissement où les nuits s'incendient. Fin de citation. En souhaitant que les nuits continuent à s'incendier dans les consciences maliennes, chauffées au feu du haut idéal qui, il y a 8 ans, les a amenés à choisir la voie héroïque de la souveraineté pleine et entière et de l'édification d'une société socialiste, je dis, vive l'armée nationale populaire démocratique et révolutionnaire, vive nos forces de sécurité, vive la République du Mali, vive notre parti, l'Union soudanaise RDA, vive l'organisation de l'Union africaine et vive la paix.